Oh, j'adore, je la trouve incroyable cette map. Ah, très bien. Intervention maléfique. Sadako. On va éviter de courir comme des gueudins. Là, par exemple, si je passe à côté du corbeau, voilà, s'il s'envole et qu'il a la vue sur ce corbeau, le tueur sait où je suis. Mars, il y a le printemps, donc mieux moi. Mars, c'est le nouvel an iranien. Mars. 20-21 mars. C'est le passage du printemps, enfin de l'hiver au printemps. C'est le selon le calendrier iranien. Ça tombe un jour de live ou pas? Elle est en vacances ce soir? Et il se repasse sa chemise ce soir. Ma préférée. La map préférée? Ok. La map, elle est incroyable. Je la trouve vraiment incroyable, cette map. Il y a une... Quoi? Attends, c'est le démon grand, là? Mon mec? On va pas rester là, hein. C'est hyper intéressant pour... Oh, il s'est fait stun. Loser, loser. C'est bien parce que les... mon totem, mon bon totem, il aide beaucoup là. Ah, mais il va tomber. Quoi? Ah, ok. Je sais pas si c'est le même. Donc c'est le même. Ah, attention, le moteur qui va exploser dans... Ah non, c'est pas le même. Bon, je vais l'aider à finir au moins le moteur. C'est pas la même combinaison. J'ai cru que c'était... Bien sûr, Capuline. Qu'est-ce que la compétence Noed? Noed No one escape death. C'est un... Personne n'échappe à la mort. Et c'est une compétence. C'est pas méta, hein. C'est une compétence qui se base sur les totems. Me dis pas que. Me dis pas que. Bossu. La partie est pliée. Oh! La partie n'est pas pliée! C'est une compétence. No one escape death. C'est une compétence qui se base sur les totems. Excusez-moi, j'étais un peu concentré là. T'as 5 totems. Par map. Hein. Quand tu as fini les moteurs, tu as la compétence qui s'active. Quand la compétence s'active et qu'elle est liée à un totem, le totem est dit ensorcelé. À ce moment-là, il se met à briller. Les petites flamèches orangées, jaunâtres, jaunes du feu en dessous du totem s'allument. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si le tueur y touche, en one shot, un survivant, qu'il soit en état normal, en pleine possession de ses moyens, ou... ou blessé, il tombe au sol. Et pour contrecarrer ça, tu dois détruire le totem en question. Comme on dit, le purifier. On va le faire quand même, la partie des pliers, on le fait quand même. Non? Oh, c'est pas joli, hein. Le plus vilain démogorgon que je connaisse. Ah, désolé, c'est complètement ma faute. Regardez. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un...
un face camp. Je me demande même si le joueur qui joue comme ça se dit que c'est légit. Je pense qu'on doit se dire que c'est légit. Que c'est totalement normal de jouer comme ça. Méta. C'est possible parce que c'est l'orientation. On est dans un virage. Oui. Vous n'allez pas venir par là. Bon, ok. Vous pouvez pas venir par là. Moi, j'étais pas dans la zone. Dommage. Ok. Bon, j'ai économisé la palette, c'est bien. Ouais, ça va être le profil qui revient là. Je pense que je sens mal les specs. Oh, oh. Je comprends pas. Attends, je fais des survivants qui vont mettre. Des tueurs qui vont mettre. Oh. Ils vont mettre Jeezy. Non, je sais pas. Oui, peut-être, mais à ce moment-là, c'est un état d'esprit. Moi, j'ai pas de problème sur le fait que ce soit pour un état d'esprit. Les tueurs qui jouent comme ça. Encore une fois, je suis pas quelqu'un qui se sale. Je fais le distinguo. C'est-à-dire qu'on peut mal me parler à l'infini dans un jeu vidéo. Moi, c'est un comportement. Hors sol. Donc je le prends pas comme une partie inhérente de la vraie vie. C'est pas la vraie vie quand t'as quelqu'un qui t'insulte dans un jeu vidéo ou qui te parle mal ou quoi. Ça n'a rien à voir. Et il faut prendre ce parti là. C'est jamais mystère. C'est minimax. Parce que sinon c'est infini en fait. Peut-être pas se TP à l'infini. Non, répare. Il va revenir ici. Chacun son tour. Intéressant là. Je sais pas ce qu'il fait. De toute façon, on va l'avoir à l'usure. Hein. On va totalement l'avoir à l'usure. Du coup. On va l'avoir le dur. C'est Magret, comment tu vas?
Aïe 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 aïe. Ah, il va me libérer, il va me libérer. Il va vouloir me libérer. Non, 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 mais l'autre côté. Attention. Est-ce que vous êtes prêts à voir un formidable camping? En rétrospective, en 8 volumes, l'épopée fulgurante de Patrick Chirac. Allez, non! Ouais, là, c'est... Ah, s'il le libère, ça va être le coup, hein. Monsieur Willem. Je vais voir si on a une porte de sortie qui va être... Bah, on a une porte de sortie qui peut être un peu... Ah bah si. Ah bah non. Oh. Mais quel enfer. J'apprécie le nouveau système. Ah mais quel enfer. Allez, bene, 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 bene. C'est là. Non, il aura pas le temps. Protection! Désolé, hein, je sais pas si t'as DS. Protège-le l'autre. Moi je me débrouille. Allez. Ah, bouge, bouge, bouge. Allez. Ah, il se rapproche de la sortie, donc c'est bien. Toujours ça, c'est toujours ça. Franchement, c'est toujours ça. Allez, go. Ça sent le... gardien de sang, hein. Franchement, ça sent le gardien de sang, vous allez voir. Accrochage. Gardien de sang, gardien de sang, apparaît, gardien de sang, gardien de sang, apparaît, gardien de sang. Oh! J'aurais vous, c'est... Non. Allez. Chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Gardien de sang, ça fait quoi si tu accroches quelqu'un? Et que les portes sont ouvertes, t'as une barrière magique qui apparaît ici, maléfique, qui t'empêche d'y accéder à la sortie. Oh, je suis désolé. Je faisais une explication en chat. Et qui t'empêche de sortir pendant 60 secondes à peu près. Ouais, est-ce qu'il est là? Bien ça. Non? Oh, il est. Bon, on va lui laisser la trappe. En espérant qu'il ait la trappe, hein. C'est surtout ça. Alors, ce que sonne. Ce serait bien qu'il ait le dernier. Qu'on le voit popper là. Bah non. À côté de la porte de sortie. Quel hommage. C'est le jeu.
bizarre quand même, hein. Faut que je récupère ça. Ok, il est en pleine chase. Mais pourquoi? J'ai perdu mon glyphe. Et ma trousse de soins. Et ma dignité. Ok. Dignité. Ok. On récupère la trousse de soins. Je peux pas quick quick hein. Je vais récupérer là, de toute façon. Mais pourquoi elle est au milieu de l'enfer là? Pourquoi elle est au milieu de l'enfer là, ma glyphe de ses morts? Ah mais non! En fait, il m'avait fait tomber ma glyphe. Mais c'est trop drôle, il m'a fait tomber ma glyphe et rien d'autre. Il m'a pas fait tomber autre chose que ma glyphe, parce que... J'ai récupéré la glyphe en tant qu'objet. C'est trop marrant, en fait. J'ai cru qu'il m'avait fait tomber... ma trousse de soins. Tu restes là, toi. Hein. Trop marrant. Bon, du coup, allez. Oh non, mais ils sont en train de faire la bagarre là-bas! Oh, ils sont en train de faire la bagarre là-bas. Cave, pour mener dans un endroit dangereux. Faut que je m'oriente directement vers le chat. Ok. Ok. Au secours. Au secours. Tu peux courir avec? Non, je peux pas courir avec. Sans me précipiter et marquer pas bêtise. C'est... info chat. Hein. Faut pas que je cours. Bah mais non, mais la cave elle est pas là! Je vais te soigner. Et faut que j'aille à Petit Patoun. Non mais j'ai couru tout à l'heure. J'ai pas couru avec en fait, sans me précipiter. Ça l'a pas fait disparaître? Vous êtes sûr de votre cours? Fast Volt, ok. Ouais, c'est ok, ok, très bien. J'étais parti pour marcher, très bien. Sans me précipiter, c'est très bien. J'ai cru que c'était courir en fait, qu'il fallait pas. Alors que c'est juste faire une volte. Oh, mais quelle relouterie! Dans un endroit dangereux, vite le chat! Nanananana. Moi aussi, j'avais couru. Ouais. Yes. Ok, je l'ai validé. Et du coup là, il faut que je fasse quoi avec? On n'aime pas une cave. Tu déposes. Il faut que je dépose là. Alors si j'ai un. Il manque que j'ai un petit totem là. Ah, si je m'enfuis avec. Ok. Ok, ok. Yes, franchement c'est intéressant ça. Je peux le garder si j'ai avec, c'est 25 000 points de bonus. Très bien, très bien. J'espère que ça va servir ça.
J'ai pas de trousse de soins. J'ai pas pris de trousse de soins. Enfin, j'aurais pas dû prendre de trousse de soins. Il est trop stylé ce glyphe. Trop trop stylé. Très joli. Pas déposé, je veux partir avec. Non, en pleine course-poursuite, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Franchement, j'ai réparé aucun moteur. C'est trop bien. Faudrait que les deux aillent l'aider, pas, je sais pas. Les deux étaient là-bas. Je pense qu'ils sont allés par là-bas. La mécanique de ce glyphe est cool, hein, je trouve qu'il change. Hein. Le glyphe dont j'avais horreur, c'est le glyphe tournicotis. Celui où tu devais faire clic-clic QTE. Absolument. Dans un timing encore pire que le pire des God of War. Au moment où tu le chopes. Et franchement, fête foraine quoi. T'es pourri, hein. T'es pourri. Franchement, c'était naze. Là, tu le soignes. Moi, j'ouvre. Ouais, tu le soignes dans la zone. Non, non, mais il va dans la zone, en fait, pour se soigner. Il a raison, il a raison. Totalement raison. On va savoir s'il y a Noed. Notre DBD. Se soigne et on va. On va. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, attends, mais trop bien ça. C'est beau ce qui vient de se passer. En plus, il veut l'aider à vivre. Il veut lui montrer la sortie. C'est beau.